Alors oui, je sais, c'est pas habituel, mais alors pas habituel du tout que je lance un Scream Master là. En général, soit je suis en train de taffer, soit je dors. Mais j'avais envie, comme j'ai envie d'avancer un petit peu Ghost of Tsushima et que je peux pas être là cet après-midi, je me suis dit que bon bah pourquoi pas, hein, après tout. Qu'est-ce qui m'empêche de lancer un stream maintenant? Rien, bah, je fais ce que je veux, voilà. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, qu'il n'est pas trop tôt chez vous. Donc moi je suis encore un peu collé, hein. Je vais pas le nier. Alors on se prend un bon petit café, on admire la vue, hein. Ouais, hein. On admire la vue. Et puis on va aller découper du mongol, tranquillement. On va essayer de terminer la première île ce matin. Au moins c'est réglé. Où il m'emmène le piaf? Et coucou Nostine, comment ça va? Ah ça j'étais sûr, si j'en sors un Master là, il y en a au moins une qui est là. Bah un peu collé, mais ça va. C'est, vous allez voir mes réflexes au réveil, c'est quelque chose de. C'est grandiose, c'est divin. Bon allez, tant que j'y suis, il est là, on va prendre un bain. Voilà. Oh du. Oh! Trop bien ça. Les gens prennent exemple sur les samouraïs. Ils s'attendent à ce que nous les protégions et agissions avec honneur. Sur le champ de bataille et en dehors. Je ne dois pas l'oublier. Du coup, ça s'est bien passé ton sport ce matin? La seule tarée qui doit débarquer à la salle à 7h du mat. Monseigneur, accepteriez-vous de m'aider? Ouais, 2 secondes, je fouille la baraque avant. J'ai du mal à dormir. Dis-moi. On m'a dit que pendant leur conquête, les Mongols capturaient des femmes pour les marier à leurs propres hommes. Je ne les ferai jamais. Qu'y a-t-il? Je dois me rendre à un camp dans les bois, là où vivent des gens gravement malades. Ouais, les gens qui y vont avant la région de, est en état de bandits et de Mongols. En effet, j'ai besoin d'un protecteur. Je peux vous y escorter. Mais cette maladie me préoccupe. Vous êtes sûr de pouvoir la combattre? La maladie n'a pas besoin qu'on la combatte. Elle a seulement besoin qu'on la soigne. Si ces gens sont aussi malades que vous l'affirmez, il faut nous hâter et empêcher la maladie de se propager. Merci, monseigneur. Faut brûler le village, non? Si? Je suis sûr pour endiguer la peste, tu brûlais les villes et les villages qui commencent à être contaminés. Ça allait mieux. C'est une solution comme une autre, hein. Comment avez-vous survécu à la bataille de Shida? Grâce aux soins d'une femme, Yuna. Elle m'a récupéré sur la plage et m'a remis sur pied. Elle a l'air d'une guérisseuse émérite. L'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Je ne serais pas ici sans elle. Ma mère a fait de même pour moi. Enfant, j'étais de nature fragile, mais grâce à sa connaissance, fragile. Elle m'a rendu fort. C'est en son honneur que je suis devenu guérisseur. Attendez, j'aperçois quelque chose devant. Vous avez l'œil? Restez ici, je vais m'en charger. Et bambou. Nous n'en avons pas. Silence! Ne faites pas de mal! Cherchez! Allez, viens, poteau. La puissance des samouraïs. Ouais, tu vas y goûter. Voilà. Non! Next. Ah, il n'y avait pas la clim. Donc, quoi, il était trop tôt le matin, ils estimaient qu'il faisait pas assez chaud. J'ai bien cru qu'ils allaient nous tuer.
ne devriez pas voyager seul. Nous avons dû quitter notre ferme, monseigneur. Tout le monde y est malade. À quoi est-ce dû ? Les esprits. Ce sont nos ancêtres qui nous punissent. Au lieu de nous battre, nous avons donné nos réserves aux Mongols. Et après leur départ, bande de lâches ! Nous sommes tombés malades. Notre domaine est maudit. Il y a une auberge un peu plus loin. Vous y serez en sécurité. C'est bien trop dangereux dehors. Rentrez. Mettez-vous à l'abri. Merci. J'espère simplement que les esprits ne nous suivront pas. Ah, c'est con ça. Il n'y allait pas de main morte avec cette épée. Ces bandits auraient tué tous ces gens. Vous n'en savez rien. Vous auriez pu essayer de leur parler. Ça n'aurait servi à rien. Vous le savez. Vous avez demandé ma protection. Pardonnez-moi. Ma vocation est de sauver des vies. Pas dans des... Pas la mienne. Ouais, avec un peu de soleil, on n'est pas mieux que quand il flotte tout le temps, hein ? Guérisseur ! Quel soulagement de vous voir ! Omyo, qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est mon fils. J'ai l'impression qu'il a avalé du poison. Conduis-moi à lui. Et les malades qui sont au camp ? Nous avons trop tardé. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Je vais vous aider. Tâchons de faire au plus vite. Merci, monseigneur. Il n'y a rien à choper chez vous. Si, là-bas, il y a un truc. Qu'a-t-il mangé ? Je ne sais rien. Nous n'avons rien à manger. Je vais chercher ce qu'il a pu manger. Merci, monseigneur. Champi ! Des champignons sauvages, à demi mangés. Voilà l'explication. Je dois prévenir Anaoka. Vous avez quelque chose ? Des champignons à demi mangés. Idiot ! Qu'est-ce qui t'a pris ? Il devait être désespéré pour les manger. Je peux préparer un antidote, mais j'ai besoin de mousse aquatique. Restez avec lui, j'irai trouver de la mousse. On va se faire un petit peu toutes les missions qui restent. Sur la première partie de l'île, la mission principale qui nous manque. Et on va essayer de se faire les camps aussi, pour libérer ce qu'il faut. Un sanglier ? Ah ! J'ai mal visé. Voilà. Aïe ! Je suis chargé par un cochon. Bah, elle est... Ah là, non, un caillou. Non mais je suis à l'arrière, elle est où la mousse ? Ah, c'est ce truc là. Et il fallait qu'il fasse dégueu. Monseigneur, avez-vous trouvé la mousse ? La voilà. Omyo, écoute-moi bien. Écrase la mousse, verse-la dans un bol d'eau et fais bouillir le tout. Fais-lui boire cette préparation, et il devrait aller mieux d'ici demain matin. Les malades du camp ont besoin de nous. Oui. Allons-y. Merci d'avoir sauvé mon fils. Vous savez, cet homme montrait les mêmes symptômes que le couple de la ferme. Douleur, vomissement, respiration difficile. Les symptômes d'un empoisonnement. Vous pensez que la ferme a été empoisonnée ? J'en suis presque sûr. Je vais avoir besoin de tubercules pour les soigner. La mousse a... Une infusion de mousse de rivière. Eh, on sait jamais, hein, peut-être que c'est bon.
On en trouve à un étang tout près. Dépêchons-nous. Comme la soupe d'ortie, hein. On dit comme ça, ça a pas l'air ouf, et pourtant, c'est pas dégueu. Bon, c'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas dégueu. Leur parler, leur demander gentiment de partir. Je vais vous laisser régler ce problème. Venez vous battre! J'ai jamais goûté la soupe d'ortie, j'ai dû goûter deux fois. Pas dégueu. Ah, déconcentré, racontez des conneries. Allez, venez. Ouais, comme ça, je vois un petit peu les armes que vous avez, parce que sinon, ça fait la galère. Ça va, oui? Ah, gros kick dans tes dents. Aïe. Voilà, t'as c'est fait. Oh. Voilà. Voilà. C'est bon là. Par ici, monseigneur. Ce sont les tubercules. Ouais, non, soupe d'ortie, c'est pas dégueu. Vous, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. Mais je dois dire, à vous voir, je ne peux m'empêcher de me demander si vous aimez la violence. Oui. Je tue uniquement pour protéger les nôtres. Ah, c'est ça qu'il faut dire, pardon. Chaque fois que j'empoigne mon épée. Bien sûr. Veuillez m'excuser, monseigneur. Maintenant, allons guérir les malades. T'es déjà un moustique? C'est ça. Saleté. Il est mouchable. Pas là, gros. Non, reviens ici. On y va. Le camp devrait être droit devant. Guérisseur, ma femme, elle ne respire plus. Depuis quand est-elle souffrante? Depuis le jour où les Mongols sont passés dans notre ferme. Qu'a-t-elle mangé? Rien du tout. Elle n'a bu que de l'eau du puits. Je suis navré. Elle est morte. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Vous avez fait de votre mieux. Mais si je n'avais pas tant tardé, avec ce couple et cet homme. Si nous n'avions pas été là, ces gens seraient morts à l'heure qu'il est. Et vous n'auriez pas pu déterminer que ces gens avaient été empoisonnés. Peut-être. Mais j'ignore comment ils l'ont été. Ben, l'homme a dit que sa femme n'avait rien ingéré, à part l'eau du puits. Et nous savons que la maladie s'est déclarée après que les Mongols soient partis. Ils ont empoisonné l'eau du puits. En contaminant une source, ils savaient que la maladie se répandrait très vite. Mais elle se soigne. Oui, les tubercules sont efficaces. Alors faites le nécessaire. Merci, monseigneur. Vous avez sauvé de nombreuses vies. Juste bon, je regarde. Ah, voilà. Je regardais la charge de la manette. Putain, d'ailleurs, faut que j'appelle Sony pour voir si je peux pas renvoyer l'ancienne. Parce que bon, le drift, c'est pas un truc...
Sora. Alors, on est ici. Bah, on va aller faire ça. Puis après, on va aller faire le compte. C'est quand même bien classe, hein. Rien à dire. Putain, c'est beau. C'est pas moi. Peut-être un peu. Attends, mais il y a juste un marchand. Ah, le trappeur, il est là-bas. Puis-je vous aider, monseigneur ? Non. Tu vends pas de teinture pour l'armure du héros, monseigneur, tu ne m'intéresses pas. N'allez pas dans les forêts de Kashiné. Mais si. Elles sont hantées par de mauvais esprits. C'est pas vrai. Des samouraïs morts, assoiffés de sang. C'est des potes à moi, ça. Je doute qu'il s'agisse vraiment d'esprits. Certains s'y sont aventurés et n'en sont jamais revenus. Des Mongols comme des Japonais. Les rares victimes qu'on a retrouvées ont toutes été tuées par des lames de samouraï. Une lame est l'arme d'un homme, pas d'un esprit. Je résoudrai ce mystère. Avez-vous besoin d'un carquois, d'une besace ? Voici tout. Non, j'ai ce besoin que de j'ai. Bois de cire. Au revoir. Gros truc que tu vends pas. Je ferai une offrande. Ah non, c'est des voleurs de riz. Enfin. Entre guillemets, les voleurs de riz. Bonjour. Que s'est-il passé ? Des bandits, monseigneur. Ils ont volé ma nourriture. Absolument tout. Par où sont-ils partis ? Au nord-est, dans la forêt. Si je les trouve, je leur ferai regretter leurs méfaits. Ne leur faites pas de mal. Ils sont tout aussi désespérés que moi. Je ne vous promets rien. Allez me refaire un café moi après ça. Oh, ça va, gros, tu peux courir 100 mètres. Hein. Défiez-moi! J'ai hâte de te voir saigner. Toi d'abord. Par contre, c'est ça qui est trop bien avec les confrontations, c'est. La détermination que ça te fait monter, c'est génial. Genre, t'arrives en combat, t'es en dash, pas de problème, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Comment ça se couvre d'un coup ? Ah, il va faire méga moche. Ah oui, non, les confrontations, c'est grave stylé, c'est sûr. Du riz, il s'agit sûrement de leur butin. Mais ouais, comme je disais hier, ça peut te sauver la vie, en fait. Selon sur qui tu tombes pendant la confrontation,
ça peut te sauver la vie. C'est pour ça que l'armure de Sakai, pour moi, elle est complètement fracassée. Avoir deux mecs de plus, sur deux mecs de plus, bah déjà pour moi, tu peux avoir des lanciers, hein, ce qui est quand même quelque chose de pas dégueu, qui peut me sauver la vie. Tu peux avoir un chef, tu peux avoir une brute, enfin voilà. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a tout le monde qui peut venir. Et encore là, ça va, parce que c'est le début du jeu, les mecs, c'est pas les plus résistants. Par contre, après, mecs, ils sont costauds quand même. Retour. J'ai votre nourriture. Du riz? Voilà une éternité que je n'en avais pas eu. Vous m'avez dit qu'il vous l'avait volé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Vous m'avez menti en ces temps difficiles. Ces bandits ne sont pas dignes de cette nourriture. Et puis, je vous ai demandé de ne pas leur faire de mal. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Oh, je suis désolée. Vous n'auriez pas dû me mentir. Je vous aurais aidé malgré tout. Je ne recommencerai pas. Je vous le jure. Santé. Nouvelle faveur, d'accord. On va aller se faire la petite légende. Oh, attends, il faut que je ressorte ma carte. Ah non, c'est ça, ok, il est où ? Là ? Ah bah oui, il est juste là. Les bambous, ça me fait marrer, je sais pas rien. Ah, trop lent. Hein, ah merde, c'était un triangle, c'était pas un croix. Merde. Oula, ça va pas. Tac, 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 tac. Je vais y arriver. Hein. C'est pas vrai, je l'ai fait là. Voilà. J'ai appuyé sur croix à la fin, là, d'appuyer sur un triangle. Et excusez-moi, les copains. Attends. C'est un mongol, ça, ou... Non, c'est pas un mongol. Sérieux ? Confrontation avec qui, où, pourquoi? Ah, c'est des mongols, ça. Je suis pas fou. Ouais, c'est des mongols. Sérieusement? Bon bah, quand vous voulez, hein. Ah mais c'est des bandits, c'est pas des mongols. Bah je vous fume max, les copains. Qu'est-ce que c'était? Voir. Ça cache. Aïe. Je le vois plus. Prends ça. Tous
cesse de mentir. Il n'y a personne d'autre. Wesh. Une minute. Je suis un mec sympa, j'aurais pu te planter, hein. Allez viens. Ça, c'était un de mes réveils. Ah oui, non, il était déter. Ouais. Et genre, c'est bon. Y'a plus personne. Ah si. Bah alors, monsieur. C'est pas comme ça qu'on sort des maisons, hein. Peut-être désactiver les autres réveils avant qu'ils se mettent à sonner. Voilà, parce que sinon on allait déranger toutes les demi-heures. Oh, c'est pas si haut que ça. Non mais je sais où tu veux m'emmener, le piaf, on verra plus tard. Ça aussi, c'est une map de légende. Envoyez votre meilleur guerrier. Ça n'empêche, il me rate à chaque fois que je fais quelque chose comme ça. Casque, je peux pas les viser à la tête. Attends, c'était quoi ça? Allez, viens. Ouais. Allez, ton tour. Qui veut m'affronter en premier? Allez, venez, poteau. Ils sont en train de faire le tour, c'est con.
très bien. C'est vrai, il est un peu plus loin, il est par là, je crois, si je dis pas de conneries. Bon, attendez, on va aller faire la légende parce que là je suis en train de me barrer un peu loin. J'ai oublié de popper sur quoi pour. Allez le dada. Une histoire qui allégera le chacun. Ouais, pendant qu'il va raconter son histoire, moi, je vais me faire un café. Monseigneur, approchez, je vous en prie. Votre histoire m'a l'air très intéressante. Il y a plusieurs siècles, Tadayori Nagao était le plus grand archer de l'île. Il était réputé pour sa sagesse et sa précision. Le Kami Hachiman fut si impressionné par son talent qu'il lui donna son armure. Elle était d'une légèreté et d'une robustesse sans pareil. À l'époque, de cruels pirates sévissaient le long de la côte, menaçant de dévaster le village d'Azamo. Les habitants coururent se mettre à l'abri, mais Tadayori affronta les pirates seul, avec son armure mythique. Les pirates envahirent les rues, mais ils furent transpercés par les flèches de Tadayori. Quelques-uns survécurent, mais aucun coup ne perça l'armure de Tadayori. Bien des années plus tard, l'archer s'éteignit paisiblement chez lui, mais son armure disparut mystérieusement. Certains disent que ses descendants en ont la garde. Ils attendent la venue d'un guerrier qui protégera à nouveau Tsushima. Les quelques écrits qu'il nous reste sur Tadayori font référence à une couronne violette, un endroit au nord d'Azamo, recouvert de chrysanthèmes violets, où Tadayori aimait méditer. Mon seul objectif, c'est de chasser les Mongols de notre île. Cette armure pourrait m'aider. Si elle est aussi remarquable que vous le dites. Son armure est sans égale, monseigneur. Et je suis persuadé qu'elle attend quelque part. Trouvez la couronne violette. Certains érudits pensent que la couronne violette est la métaphore de la sagesse de Tadayori. Mais pour moi, l'endroit existe bel et bien, couvert de chrysanthèmes violets. Je prie pour que l'armure de Tadayori puisse à nouveau servir à défendre notre peuple. C'est un café, j'ai oublié tout. Ça c'est un peu con. Les seules fois où ça m'arrive, c'est parce que je l'ai mal fermé. C'est parce que j'ai mal mis ma dosette. Sora, allez!
Du coup, tu m'amènes où? Ok. Eh ben, avant de faire ça, on va aller là. Peut-être, non? Ouais. C'est chiant parce que t'as des moments où tu fermes mal ou alors t'oublies de fermer le capot, ça coule tellement de partout. Hansen! Ouais, tant qu'on y est. J'ai perdu de bons amis sur la plage. Kasai. Matsudo. Hongo. Jamais je n'oublierai votre sacrifice pour notre île. Ça c'est fait. Non, le sanglier, reste tranquille. Coucou. Vous êtes tous les copains? Ah, c'est là. Je vous ramène un copain, le gars. Mais rendez-vous avec lui. Je vous one-shot. D'accord. Ah oui, il est concentré, lui. Ah voilà, je me disais aussi. Je peux pas tous les sauter. Allez, viens, nounours. Un deuxième? Ah oui! Ouais, bah écoute, hein, je l'ai laissé, hein. C'est bon? Non, c'est pas bon. Et ils sont où les autres? Et nous, nounours? Allez, nounours, c'est ce que je dis, moi. Ah, t'es là? Un peu rude l'atterrissage, mais non. Non.
Aïe. Je vais foirer mon compte. Ben voilà, très bien. Je ferai pas tous les petits points d'intérêt, les trucs comme ça, hein. Ça se fera peut-être au fur et à mesure, mais sinon, hein. Pas grand chose à faire. Mon jeu est déjà platiné, donc hein, on voudra pas. Sora, viens. Sérieux, la flotte, c'est obligé. Qu'est-ce que t'as pour moi, toi ? Avez-vous vu les oiseaux, Seigneur Sakai ? Quel genre d'oiseaux cherchez-vous ? Les oiseaux dorés. Leur chant me rappelle des temps plus paisibles. Trouvez les fleurs violettes. D'accord. Et il me semble que la zone allait par là. Aïe. Ah voilà, il y en a là, non ? Non, c'est de la terre. Je vois pas avec les reflets. Ah là-bas, il y en a. Chrysanthème violet. Le musicien qui écoutait la légende de Tadayori en a parlé. Il mène peut-être la couronne violette. Aïe. Aïe, j'ai pas le temps. J'ai appuyé trop vite sur ma gâchette en fait, c'est ça l'idée. Allez, ta gueule. Ok, next. Voilà. Elle mène peut-être à la couronne violette. Le truc s'appelle la couronne violette. Violette, l'armure de ta famille est peut-être ici. De l'encens. Il a brûlé. Je te mens jamais sur Epic que je vois même pas les nouveaux jeux. Il y a quelque chose dans ce cylindre. Une carte du havre de Tadayori. Couronne violette, la maison, le Bouddha. Je connais même pas. Je connais même pas. Alors comme ça, ça va être par là. Oui, mais c'est... Bah oui, je suis con. J'ai des fermes violettes là-bas. Hop. Meurs pas, hein. Ouais, parfait. Ah!
c'est plus par là, non? Écoutez-moi! Je crois que je suis pas parti au bon endroit. Il vient de se passer quoi? J'ai pas compris. J'ai perdu l'endroit où je devais aller. Ah, c'est par là. Non, c'est pas par là. Viens là, le cheval. Tu es un bon cheval. D'accord. Pourquoi pas? Ah, c'est là-bas. Voilà. Je me ferai jamais à cette vue en première personne chelou là. Boing. Des Mongols. Comment ont-ils trouvé cet endroit? Une carte, comme celle de la couronne violette. Le havre de Tadayori. C'est joli quand même. Hein, oh, ils ont fait des vrais pétales cette fois. Sur PS4, c'était juste des petits carrés, genre en mode paillettes. Aventure plateforme, graphisme très enfantin. D'accord. Ouais. Effectivement, rien d'intéressant. Qui est enterré ici? La course folle du temps ralentit. L'âme de Tadayori trouve le repos. D'un seul arc tombe mains ennemies. L'emblème du clan Nagao. Le clan de Tadayori. Le même encens qu'à la couronne violette. Il a brûlé récemment. Bah, il est encore en train de fumer. Bijou. Allez-vous-en. Je ne vous veux aucun mal. Je suis Jin Sakai, neveu du seigneur Shimura. Vous êtes un menteur doublé d'un voleur. Non. Défendez-vous. D'accord. J'aime bien la garde. Je ne veux pas vous tuer. Arrêtez. Comment osez-vous profaner les terres sacrées de Tadayori? Vous déshonorez la mémoire de Tadayori, voleur. T'attends quoi? Allez! C'est quoi cette posture?
Bon allez, on en finit. Nous contre les Mongols, nos vrais ennemis. Vous n'êtes rien d'autre qu'un infâme pillard. Bien sûr. Aïe. Aïe. Eh oh, les imparables, c'est pas du jeu. Hein. On a dit les imparables, c'est pas du jeu. Oh. Ok. Je ne veux pas vous tuer. Arrêtez. Mais... C'est le matin, doucement sur le timing. Commence. Pas trop vite, pas trop vite. Je ne veux pas vous tuer. Arrêtez. On va utiliser ma technique favorite. Comment osez-vous profaner les terres sacrées de Tadayori? Vous déshonorez la mémoire de Tadayori, voleur! Ouais, je l'ai gardé! Ah non, ça c'est moche! Ah voilà, merci! C'est impossible! Vous savez vous servir de cette lame volée? Lame volée? Voilà! Halte, monseigneur! Je m'appelle Kaide. Je suis l'héritière des Tadayori. Je pensais tous les samouraïs morts. J'ai cru que vous étiez un pillard. Je ne suis pas un voleur. Mais je cherche l'armure de vos ancêtres. Et vous méritez de la porter, Seigneur Sakai. Mais cette armure est perdue. Comment pourrions-nous la retrouver? Il y a une phrase dans un vieux parchemin. Tadayori veille sur la baie d'Azamo pour l'éternité. J'imagine que c'est un indice pour retrouver l'armure. L'armure de Tadayori lui conférait vitesse et précision. Portez-la pour défendre les innocents. Non, mais il y a des gens comme ça, nous, sinon. Okay. Veille sur Azamo, depuis les falaises derrière le village. Il y a des fois, je comprends, taper et après on parle. Hein. Wouah, c'est grave loin. Vas-y, on va se taper là. Quand tu veux le cheval, hein. Les chrysanthèmes violets. Qui veut m'affronter ? Allez, viens. Ah, quoi? Ils sont le musicien. Je vais peut-être pas diriger mon esquive vers le bon endroit. C'est possible. Wesh! Chiharu, you wait! Zipsegate,
Je suis mieux en katana qu'à l'arc, hein, désolé. Sauvez-moi! C'est fini, tout ira bien. Monseigneur, comment nous avez-vous trouvé? Une descendante de Tadayori m'a parlé de cet endroit. Que vous est-il arrivé? Un espion mongol a découvert un rouleau écrit par l'aîné de Tadayori. Ils m'ont forcé à le déchiffrer pour eux, et le texte nous a conduits ici. Ils ont donc trouvé l'armure? Non. Je les ai lancés sur une mauvaise piste, en priant pour que vous arriviez à temps. C'était un pari risqué. Mais qui s'est avéré payant. L'armure est cachée sous ce monument. Elle n'attend que vous, monseigneur. Un monument dédié à Tadayori. C'était pas une vraie fausse piste, en fait. L'armure de Tadayori. Elle est classe, incroyable. Hein. Elle est classe, l'armure. Mais non. Mais non, non, non. Non, 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 non. Écartez-vous. Je ne laisserai pas les Mongols vous approcher. Eh ben. Ah, t'es là, toi. Next. Il y en a un là-bas. Non. Non, pas toucher, toi. Est-ce que je vise mal quand je peux? Tu m'emmerdes! Il en vient d'autres. Vous allez bien? Oui, monseigneur. Aïe! J'ai eu l'impression de voir Tadayori en personne. Ouais, non. C'est l'armure parfaite pour un archer. Mon histoire n'aurait voilà, pu avoir pour meilleur moi. Auditeur. Il est temps pour moi de reprendre ma route, monseigneur. Le plan. Alors, maintenant que ça c'est fait, il nous reste quoi? Ah oui. Ok. Donc, on a fait le camp qui est ici. Normalement, il y en a un, genre vers là. Je dis pas de conneries, ouais. Donc, on va faire un petit épée ici. On va pas aller à la forge de Komatsu tout de suite. Bambou. Mais prends le bambou. Voilà. Non, nounours. Soyez prudent, monseigneur. Oui, oui.
En fait, je pourrais déjà y aller au château. J'ai pas la mission. Alors, est-ce qu'il y a du bois de cire par ici? Tant qu'on y est, je suis juste à côté. Autant essayer. Ah! Mon skill légendaire a encore fait les siennes. Mais c'est passé. Quitter le combat pour récupérer de la santé, mais je prends un combat, qu'est-ce que tu veux? Tu vois que dalle! Ok. Non mais je viens là pour du bois de cire les gars, si vous en avez pas ça me sert à rien. Je vous explique. J'en ai rien à foutre du sanctuaire moi. Il n'y a pas de bois de tir, très bien. C'est pas grave. Ça m'apprendra. Ah, un bois de tir, d'accord. Trop bien. Et en fait, ouais, à chaque fois que t'entends un instrument avant comme ça, c'est comme si c'est toi qui le tenais. La manette, elle vibre de cette façon-là. C'est super, c'est très spécial, mais c'est vachement plaisant. C'est très agréable. Moi, ça doit être là. Allez, hop. Ah, mais tu m'as dit que c'était sur le chemin la dernière fois. D'accord. Je comprends mieux. Oh, j'étais sur la tête. Tu permets? Oh.
Oh, je l'ai pas vu venir celle-là, hein. Moi non plus. Chez. Pourquoi le ton se couvre? Bah, alors, il y a des fois où il y a un arbre, ça je m'en rappelle, mais qui est derrière le temple, enfin le sanctuaire, c'est pour ça que je suis allé voir. Mais là, il n'y en avait pas. Donc, à mon avis, tu dois avoir derrière le sanctuaire et en plus, en honorant du coup le truc, t'en as forcément un. Qu'est-ce que tu veux, le piaf? Komatsu, on s'en fout. On va aller là. Oui. Ah bah voilà, un peu de soleil, non? On sent que le temps, il sait plus trop quoi faire. Oui, là je sais, on va avoir un haïku, on voit les oiseaux qui volent là-bas. Là, dans Red Dead, je me serais mangerais l'arbre, je serais tombé. J'ai la moitié de ma vie. Ah, bonjour. Allez. Je n'ai pas tombé dessus sur le camp là. J'ai parfouille. C'est quoi? Ah, il y a un renard là. Salut. Non, j'ai la flemme. Les arbres blancs, ça va être la trappe céleste. Allez, petit dada, je sais que tu peux le faire. Allez, oui, tout va bien, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas pris de dégâts. Ça aussi, ça va être une map de légende, une map de survie. Allez, viens. Allez, viens. Allez, venez les frères. Voilà, j'ai arrêté de me gaver.
Oula! Molo! Molo, molo! Hein? J'ai cru qu'il y en avait un qui rampait encore. Les bateaux! Alors, petite confrontation, voilà. Allez, venez les copains. Venez qu'on s'amuse un peu. Ça va comme vous voulez ? Aïe, foiré. Allez, viens, allez, viens. C'est sale, ça. Eh ben alors, poteau, on a peur ? Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Y a pas de l'acier quelque part, s'il vous plaît, non ? Vraiment ? Genre juste un peu. Promis, j'en demande pas beaucoup. Juste une petite soixantaine. Pas beaucoup. Ah ouais, les piefs. Non. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. On retourne par là. Ah, ça a dû faire, ils en ont, hein, mais le reste... Les copains! Et je te parais? Ah merci. Oula! On va se calmer direct. Tu m'emmerdes un peu toi. Sérieusement? Ah, tu vas rester tranquille. Vas-y, tu restes tranquille. Non. Hein? Ah bah c'est tout, hein. Alors, tata. Hein? Il y avait quoi là? Provision, un peu de fer, très bien. Là, il y a du fer aussi, je vois.
Coucou. Aïe. Oh, tu m'en viens. Non, reviens là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y a des archers à l'intérieur? Je comprends pas. Voilà, ça c'est fait. Allez, on s'approche. Déjà, j'ai assez d'or. Non, raté. Voilà, mais donc ça c'est fait. On va faire ça parce que c'est une mission rapide. Non, pas le mémoire dans les bois. Hop là. Ouais, bon, enfin, les deux sont des missions rapides et en plus sont juste à côté. Donc on va en profiter. Allons-y, Sora. Pas d'émission, il faut crapahuter sur toute l'île. Comment j'y vois que dalle? Je sais pas vous sur le stream, mais moi j'y vois rien du tout. Entre le reflet, la brume, la nuit, le machin, c'est... Ah voilà, c'est pas que moi. Un petit peu. C'est pas forcément mieux, hein. Un petit peu, mais c'est pas ouf. Et là, il y a un renard. Évidemment, c'est là-haut. Tout est si paisible ici. Quel est cet endroit? Bonjour. Je vous ai pris pour le seigneur Jinroku. Mais vous êtes un autre samouraï. Bienvenue, mon seigneur. Un autre samouraï? Vous ne connaissez pas le seigneur Jinroku? C'est un samouraï légendaire. J'aimerais le rencontrer. Quand reviendra-t-il? Bientôt. Joignez-vous à nous. Ouais, légendaire. Il vous racontera un de ses prodigieux exploits. Ah, je rentre d'une mission périlleuse. Ne vous inquiétez pas, je suis indemne. Ah, je n'attendais pas de visiteurs, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. J'ignorais qu'un autre samouraï avait survécu. Ce fut une bataille terrible, n'est-ce pas? Ce jour-là, les plages de Komatsu ont viré rouge sang. À Komoda qu'on s'est battu. Nous sommes battus à Komoda. Ah, oui, bien sûr.
Pardonnez-moi, mon voyage m'a épuisé. Si cela vous convient, un abbé va vous montrer le bain. Nous discuterons en dînant. Veuillez me suivre, monseigneur. Connaissez-vous bien le seigneur Jinroku ? Il nous raconte absolument tout. S'il n'avait pas été là, toute l'île aurait été perdue. Quand vous l'avez rencontré, bien sûr, oui. Était-il armé ? Il a tout donné pour sauver Tsushima, à l'exception de son cheval. Il est à l'écurie. Mon bain attendra. Je souhaite voir son cheval. Je loot au passage, hein, forcément. Équipement standard, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Un cheval de ferme, pas un cheval de guerre. Non, c'est un poteau, ça. Ah, encore ? Ah oui. Je reconnais cette selle. Elle appartenait au seigneur Iguchi. Jinroku n'est pas un samouraï. Je lui ferai avouer la vérité. Où est Jinroku ? Il est parti peu après votre départ. J'imagine que c'était important. Je le trouverai. Il est par là, non ? Il est là. Nous devons parler. Pas la peine de courir, imbécile. Arrête ! Il n'est jamais trop tard. Salut. Alors oui, c'est une game plus, mais c'est pas en létal plus, c'est en difficile juste, parce que le létal, c'est rageant pour pas grand chose. En fait. Ça se fait, hein, mais... Je veux pas vous tuer. Arrêtez. Je ne faisais de mal à personne. Mais voilà, donc c'est juste en difficile plus. Parce que en normal... Ah, écoute... J'aimerais bien aller dans ton sens, hein. J'aimerais, ça serait cool qu'il sorte sur PC. Mais ça m'étonnerait que Sony laisse partir son bébé. Si c'est ce que vous voulez, j'accepte. Ça m'étonnerait. Après, tout est possible, hein, attention. Ils ont laissé partir Horizon. C'est comme, enfin, pour moi, s'ils font sortir Ghost of Tsushima sur... c'est une question de temps. Oui, sûrement. Pour moi, s'ils font sortir Ghost of Tsushima sur... sur PC, il faut prier pour qu'ils fassent sortir God of War. Voilà. T'as déjà je peur, gros ? Je me rends, je suis désolé. Même pas eu le temps de te mettre un coup. Dites-moi qui vous êtes vraiment. Je ne suis personne. J'essayais juste de survivre. Vous usurpez l'identité d'un samouraï et vous bafouez son nom. Et vous abusez de la confiance de ses femmes. Je sais. Mais ouais, vu le portage magnifique qu'ils ont fait avec Horizon, s'ils font un portage de Ghost of Tsushima, ça va être fou. Partez. Ça va être vraiment fou. Si je vous revois un jour avec cette armure, nous irons au bout de notre duel. Bah, justement, je serais d'accord avec toi, mais si j'étais sûr que ils sortent les jeux sur PC. Tu vois la vérité à ces femmes. Parce que je suis désolé, mais je peux pas me passer de God of War. Je peux pas attendre 2 ans pour jouer à Forbidden West. Enfin, voilà, il y a ce genre de conneries. Je suis pas un mec patient. Après voilà, moi j'ai fait péter une PS5 et j'ai eu la chance de l'avoir, mais... Ça change un peu tout quand même. Voilà, faut l'avouer. Parce que malheureusement, la PS... on peut dire que la PS4 était quand même en fin de vie quand Ghost of Tsushima est sorti. Mais même si elle crachait encore beaucoup, hein. Attention.
Niveau graphisme, un petit peu, en fait, ils ont revu les expressions faciales et quelques trucs. Après, sinon, c'est surtout en termes de FPS. Seigneur Sakai, et du coup de résolution, parce qu'il le passe en 4 et en 2K. Jinroku n'est pas l'homme que vous croyez. Il n'a rien d'un samouraï. Ah, il vous a dit la vérité. Vous saviez qu'il mentait ? Il n'était pas méchant, et sa compagnie nous était agréable. J'espère que vous En soi, il n'y avait pas besoin d'amélioration graphique. C'est vraiment juste en termes de FPS que ça pouvait servir. Je dirais aux autres qu'il a dû partir. Ce qu'ils ont fait, hein, il n'y a pas vraiment d'amélioration graphique, il y a juste le jeu est plus fluide et t'as le jeu en 60 FPS, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est... Après avoir joué... Enfin, faire les jeux... J'aime bien faire des comparaisons comme ça, en fait. Faire les jeux en 30 FPS, du coup, sur console, et après, en général, je les prenais sur PC quand c'était moins cher, et... Et quand tu les fais tourner sur PC à 240 FPS ou un truc comme ça, c'est le jour et la nuit, en fait. Sur Red Dead, c'était n'importe quoi, la différence. Bon, c'est pas du 240 FPS, hein, c'est du 60, mais rien que là, déjà. Oui, oui, je vois très bien, t'inquiète pas. Eh non, Noacine, c'est une PC. C'est une PCiste pure et dure. En létal... Ah non. Le létal, j'ai déjà test. Je l'ai déjà fait. Et en fait, ça me fait rager. Je suis tellement pas doué avec les lanciers que ça va juste me faire rager. Pourquoi dites-vous une chose pareille ? C'est vrai. Elle l'a vu plusieurs fois en stream, hein, t'inquiète pas pour ça, Matensei. Aujourd'hui, ceux qui entrent dans la forêt n'en ressortent jamais. Nous sommes en guerre. Les gens disparaissent. Mais même les Mongols craignent ce lieu. Attendez la tombée de la nuit, monseigneur. Non. Dans la forêt. Moi, les lanciers, j'arrive pas à timer mes parades, en fait, sur les lanciers. Ça m'en fout. Après cette nuit, vous n'aurez plus à colporter ces rumeurs d'esprits meurtriers. Espérons-le, monseigneur. C'était de l'autre côté, non ? Oui, non, mais je sais, hein, j'ai déjà fait le jeu en normal, je l'ai platiné, là je suis en difficile plus, je l'ai déjà fait en létal plus, mais ouais, non. Abandonné. Bon. C'est pas mon kiff. Mourir sur Demon's Souls, parce que le jeu est fait pour ça, je comprends. Là, mourir en boucle juste parce que j'arrive pas à timer ma parade, je vais rager. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a fui. Décapité, comme si le tueur voulait faire croire à la vengeance d'un samouraï. Sale bête. Ah oui, non, l'étal plus, c'est... Bah après, voilà, c'est... ça fait partie du truc, tu prends deux coups... Voilà. Mais les ennemis aussi, c'est ça aussi qui est bien. C'est... Ça aurait été le truc où toi, tu prends deux coups, tu cannes et les ennemis non. C'est ça. C'est ça, mais... Il semblerait qu'il essayait d'échapper à quelqu'un. Oh non, l'étal plus j'ai fait, j'ai donné, c'est bon. Je suis en train de tourner en rond. En fait, avec la brume, je vois que dalle. Feu de camp. Hein, quelqu'un doit être là. C'est récent.
Le tueur doit être tout près. C'est ça. Quelqu'un a filé par là. C'est ça, c'est ça. Qui au final est... pas du tout... Non mais c'est cool ce qu'ils foutent avec la petite brume, la petite musique un peu angoissante et tout, genre. Non, le jeu, y a rien à dire hein, là-dessus, en termes d'ambiance et machin, ils ont fait ça bien. Une mise en scène pour éloigner les gens. Ils ont fait ça bien. Bijou, tu veux te battre? T'as l'impression de voir des choses aussi. Ouais, mais c'est dans la brume, ça. Moi, j'étais dans l'optique de vous laisser partir au début. Dépêchez-vous, assassin. Mais bon, si vous cherchez la merde... Ce n'est pas un mythe. L'esprit d'un samouraï. Que Bouddha me protège. Allez, casse-toi. Le danger est écarté. Je devrais raconter la vérité à l'homme qui craint les esprits. Alors. Ta-ta-ta. Bois d'if. Franchement, Jean, l'endurance, c'est pas ça. Hein. Que courir 100 mètres, ça se fait. Monseigneur, vous avez survécu. Salut. Et je vous rapporte une nouvelle histoire. Des bandits sanguinaires rôdaient jadis dans la forêt sacrée. Mais les esprits des samouraïs qui protègent ce lieu ont hurlé leur colère. Qui pense à quoi, ça me fatigue. A entendu leur cri de tourment. Oh. Débarrassa la forêt des meurtriers et les esprits. Je te parle pas courir un marathon, là. Je te parle de courir 100 mètres. Une bonne histoire. Comme si compliqué. Les esprits des samouraïs vous avaient invoqué pour sauver leur forêt. Ok, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est bon. Les cachinés. Ça c'est bon. Bah en fait, il nous reste juste les camps du nord, si je dis pas de bêtises. Ça c'est une ferme. Le village d'Yoshi, il est là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais, c'est ça, il nous reste juste ceux du nord. Percomoda. Ah oui, là il y avait un... Ouais, je me rappelle. Est-ce que le jour tu voudrais bien te lever, s'il te plaît? Y a pas un petit Link qui pourrait me faire un champ du soleil quelque part, non?
vous plaît. Et du coup, ils font bien les nuages. Trop bien. Pas ça que j'ai demandé, hein. C'est juste là. Non, c'est pas juste là. Ça sent un autre. Rien du tout. Ah, la ville de Commandant. Ça ressemble à un con mongol. Un camp mongol. On va y arriver. Ouh, ça va être une longue journée. Je suis pas du tout allé voir le DLC encore. Je sais plus ou moins de quoi ça parle, des articles, enfin avec les articles et tout quoi. Mais le DLC, j'ai pas encore fait. Je suis pas du tout allé voir. Justement, j'attendais la sortie du mode PS5 pour recommencer l'histoire et enchaîner du coup sur le DLC. Parce que le DLC, on le débloque direct après le Château de Canada. Donc Donc je me suis dit qu'il valait mieux le faire au moment où ça se débloque, plus ou moins, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien de rusher. Non, reviens là, toi. Voilà. On va alterner du coup là sur les streams. Et je vais alterner entre Ghost of Tsushima qui est sorti là et Demon's Souls que j'ai presque fini en soi. Je crois qu'il me reste 5 boss, un truc comme ça. 5 boss d'histoire, hein, je compte pas les boss optionnels style les rois et trucs comme ça. Donc on va alterner avec ça. Et en même temps, ce week-end, on va se faire un petit test des nouveaux mods sur Legends. Ah. Bah écoute, si tu veux venir voir aussi mes streams sur Demon's Souls, c'est avec plaisir, ma Tensei. Hein. C'est avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. T'as fait tous les Souls et tous patinés, putain, t'as du courage, l'ami. T'as vraiment du courage. J'avais jamais fait un Souls avant Demon's Souls. Enfin, si, j'avais testé Bloodborne. Mais j'avais très très vite ragé. Parce que Bloodborne, en fait, c'est... Il y a tout ce que j'aime pas en termes de gameplay. Perso trop lent, pas de parade. Là, au moins, avec Demon's Souls, c'est un peu plus rapide. Ouais. Ouais, moi, je le trouve lent, désolé. Mais je parle pas du... Je parle de ton perso qui est lent, hein. Je parle pas... Les ennemis, eux, le sont pas. Ah oui, non, c'est sûr. Mais après, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas fait de Dark Souls, en fait, donc... Non, c'est sûr que les Dark Souls, niveau combat dynamique, on repassera, mais Et voilà. Alors, attends.
que du coup... J'ai tout fait parce que ça c'est une ferme, ça c'est une ferme. Bon en fait j'ai fait tous les camps de Izuara, il me semble. Ouais, il faudra juste débloquer les fermes après. Donc on va sur TP. Non, on va débloquer le... Oui, oui, non, mais c'est ça, les sous, c'est une mécanique à comprendre, mais c'est quand même frustrant. Principe de caler pour rien. Désolé, j'ai reçu un message. Oh! Il y a Floki qui vient de démarrer un vocal avec moi. Ouais, bah, désolé, poteau. Je suis pas sur Legend là. On verra plus tard. Non mais voilà, après c'est des styles de jeu qu'on aime ou qu'on aime pas quoi. Moi je sais pas, Demon's Souls me tentait un petit peu avec son côté un peu dark fantasy et machin et... Je sais pas. Voilà, je me suis lancé, ça le fait et voilà. Qui sait, peut-être que je ferai Sekiro après hein. Oh, ça va le faire. C'est pas dit que Demon's Souls reste sur console, hein. Peut-être qu'ils vont faire un portage PC. Ah, on sait jamais. Mais il est possible que je me motive à faire Sekiro un jour. Eh hey, oh, ça va, détends-toi. Ne bougez pas. Oh, enfin, c'est terminé. Merci, Seigneur Sakai. Allez-y, et faites attention. Je vous en prie, acceptez ceci. Du coup, je cherchais teinture blanche. Teinture blanche, il est par là, mais je sais plus trop où. Oui, mais de la même manière que Ghost of Tsushima, malheureusement, God of War, c'est sur console. Et Noistine, c'est une PCiste. Voilà. Mais j'ai refait God of War en mode God of War il y a quelques mois. Bah pour la sortie de la PS5. Pour la sortie de la PS5, je me suis dit allez, pourquoi pas. Attends. La teinture blanche, il est où? Après, il y a un truc. C'était Nouge qui m'en avait parlé. Je crois qu'avec le PS Now, tu peux jouer PC. Ça en est fini pour toi. Un truc comme ça. Enfin, tu streams le jeu, en fait. À terre. Je crois que tu peux pas l'installer, mais tu streams. Je dis peut-être des conneries, hein. Mais il me semble qu'il y avait ça, parce qu'il avait réussi à faire des jeux PS alors qu'il est full PC lui aussi. Donc à tenter, à essayer, hein. Je rappelle que le PS Now c'est 10€ par mois si vous voulez faire un jeu, voilà, style God of War. Il y a plein de jeux en plus là qu'ils ont rajouté. Il y avait Witcher 3 bah, qui est jusqu'à début septembre je crois, si je dis pas de conneries. Ah il est là-bas l'enfoiré. Sora, allez. Ouais, moi au départ, j'ai toujours été les deux consoles et PC.
Après, voilà, c'est dans mon métier. Le PC, c'est aussi mon outil de travail, en fait, donc j'ai un peu une bête. Du coup, je m'en sers. Oui, après, maintenant, c'est sûr que c'est un petit peu chiant avec tous les abonnements. Il faut avouer que... Ça coûte cher, là, donc. Est-ce que tu vends du coup quelque chose pour l'armure du héros ou pas ? Les teintures sont d'un blanc immaculé. Je croyais que tous les samouraïs étaient morts. Étrange façon de saluer un visiteur. Veuillez me pardonner, monseigneur. J'ai été seul trop longtemps avec, pour seule compagnie, mes teintures et mes pinceaux, ma laque et mes tissus. Je sais produire le plus pur des blancs, telle la neige immaculée des terres glacées de Jogaku. Mais ouais, comme je l'ai dit, il faut regarder sur PS Now. Il y a moyen que ça marche, mais voilà, c'est pas installer le jeu, c'est un stream. Donc faut la coque qui va avec, quoi. Teinture d'armure. Non, ça j'ai. Armure de Kensei, mais je m'en bats les couilles. Armure à découvrir. Ah, mais c'est l'armure de Iki, ça. Ah, bah ça. Après, ça dépend sur quel jeu. Hein. Du coup, j'avais dit, on retourne. Ici. Ou c'était Uko qui m'avait parlé du truc de PS Now, je sais plus. Connaissant la magouille, à mon avis, c'est nouche. Mais du coup, parce que sur PS4, en fait, enfin sur PS4, sur PlayStation, on peut pas stream depuis la console si c'est un jeu streamé. Donc si le jeu est pas installé sur la console, on peut pas le diffuser. Parce que la console considère pas qu'on est sur une application et du coup elle veut pas la diffuser. Sur PC, c'est pas pareil. Vu que avec Streamlabs Ops, tu peux faire des captures d'écran, de fenêtres et machin, t'es pas obligé de capturer juste un jeu en... Ça, c'est si Streamlabs considère pas justement le jeu streamé comme un jeu. Donc toi, tu fais juste une capture d'écran et t'en fous. Non, tu vas pas me gaver, toi. Enfin voilà, c'est des magouilles, un peu, ouais. C'était là. Je me suis raté, complètement. Tac 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 tac. Voilà. Ta 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 ta. Voilà. Ok. Alors, avant de commencer la mission, je vous ai demandé deux petites minutes, je reviens. Et on va libérer Komatsu.
Et voilà, on est de retour. Fous le milieu du camp, bah vas-y, hein. Rien qui t'en empêche. De toute façon, t'as plus besoin. De toute façon, une fois que t'as amélioré tout ce que tu voulais améliorer, la thune, ça rentre et puis ça sort plus, donc. Un conflit tout près. Les copains, je suis là. Ici. Ouais, même les armes, en soi, bah t'as déjà tout, non? Vous êtes où les copains? Ah, il y en a un là-haut. Ah non, c'est Yuna ça. Il est là. Wesh! Mais. Bon, d'accord. Ah, sur le. Oui. Tu as pu venir. Ah oui, c'est sûr que ça passe mieux avec la peau survente. Et où est Taka? Caché. Ça passe mieux. C'est sûr. Les Mongols sont arrivés il y a quelques jours. Mais bon. Ils ont fait des prisonniers. Et tué quiconque leur résistait. Je fais le jeu pour me balader et pour kiffer, pas pour rager. Ce qu'ils ont commencé. Ce n'était que des éclaireurs. Le plus gros des troupes n'est pas loin derrière. Alors il faut partir. Maintenant. Nous pouvons défendre le village. Quoi? Il nous faut la forge de Komatsu, avec sa main d'œuvre. Si tu le souhaites, tu peux t'en aller. Non. Je suis fatigué de... Oui, il y a autoparade. Conduis-moi aux autres. La parade auto, c'est en fait, c'est si tu cherches ton... Si tu restes appuyé sur triangle, justement, et qu'il se met en position, là, pour mettre le gros kick, tu... ou alors que t'es en train de faire une attaque triangle, tu fais une autoparade. Combien y a-t-il de survivants? Quelques familles. Des fermiers et des forgerons, pour la plupart. Pas vraiment des combattants. Tu as tué tous ces hommes à toi seul? Je te félicite. J'ai eu de l'entraînement. Peux-tu obtenir d'autres flèches? Je peux en récupérer. Sur les murs. Et sur les cadavres. Ça devra suffire. Je conduisais des villageois en sécurité. Les Mongols ont attrapé une femme ici. Elle est en vie. On ne craint rien? Les Mongols ne sont pas... Ça marche, ma Tensei. Nous allons à la forge. Vous devriez venir avec nous. Il n'y a pas des trucs à l'autre par là? C'est bon, la forge est opérationnelle. Oui, mais on ne peut pas l'allumer. La fumée nous trahirait. Les Mongols sauraient où nous trouver. On peut s'en servir pour les attirer et provoquer le combat sur notre territoire. Ils ne s'attendront pas à te voir ici. Seigneur Sakai, Yuna. Taka. J'ai prié les dieux de vous protéger. Je t'en remercie, mais c'est de ton aide dont j'ai besoin. Yuna dit qu'il vous faut quelque chose. Un nouvel outil? Pour sauver le seigneur Shimura. Il est retenu prisonnier au château de Kaneda, et je dois le libérer. Discrètement. Sans que personne le voie. Ce village possède une forge. Non mais Moumou, je viens de fermer pour mettre la clim parce qu'il fait trop chaud. Commence pas à gueuler. J'aurais pu vous forger quelque chose. Mais je n'ai plus le temps. Les Mongols vont... Je les empêcherai de prendre Komatsu. On reste ici. Oui, mais je vais rouvrir, détends-toi. C'est pas un traquenard. Mais on a été séparés. Où est-il? Il cherchait sa femme, je crois. En ville. Je vais trouver Yukio. Yuna, tiens-toi prête à te battre. Elle est toujours prête. J'ai besoin d'acier, s'il vous plaît. Affrontez-moi, bébé chat. Tata Eructel, Sam Shukori, Assez. Désolé, j'étais concentré sur Moumou.
casse les couilles. Forcément. Allez, viens là, du con. Casse-toi. C'est bon, pile, allez. Un gavet. Alors, je veux bien l'aider, hein, mais je peux pas vous l'aider. Il était juste là. Ah putain, ils sont là. Taka a besoin d'aide à la forge. Suivez-moi. Attendez, ma femme et sa sœur sont à la rivière. Conduisez-moi à elle, vite. Par ici. Restez près de moi et obéissez. Qui est cette femme ? Lui. Allez, dépêchez-vous un peu. Copain ! Bien. Cachez-vous. N'importe là. L'autre. Tout ce sang. Contentez-vous d'avancer. Les Mongols les ont trouvés. Restez là. Je vais te battre toi aussi. Hop là, voilà. Merci. Et de rien. Yukio m'envoie. Il est vivant. Suivez-moi. Taka a besoin de votre mari. Mutsu. Yukio. J'ai cru t'avoir perdu. Tu n'as rien. Cet homme s'est battu comme une bête. Ou un démon. Mais non. Uniquement contre les Mongols. Nous allons à la forge. Suivez-moi. Vous voulez bien vous bouger, les pégus ? Ouais, c'est ça. Non, mais les gens sont des ingrats, de toute façon. Ça... Sauver Taka. Merci, monseigneur. Mais de rien, mais de rien. Les Mongols sont là. Où est Yuna ? Partie chercher une famille dans la maison sur l'autre rive. Elle n'est pas revenue. Je vois. N'allume pas la forge avant qu'on revienne. C'est par là, non ? Ah bah t'es là. Wesh. Aïe. Allez, frappe.
Non ? D'accord, moi d'abord. Ah merde, c'est Yuna. Alors, sauter la corne, c'est utile quand t'as des renforts. Quand t'es tout seul, ça sert à rien. Ici ! Vous. Vous nous avez sauvés. Ce n'est pas encore fini. Vous pouvez rejoindre la forge ? Oui. Je crois bien. Ne vous éloignez pas de moi. C'est une longue histoire. Sa façon de les tuer. Mais les gars. Non. Vous arrêtez de m'insulter alors que. J'y vais quand même normal quoi. Enfin, c'est un combat, normal que je sois un peu sanglant. Mais j'ai rien fait de spécial. Je les ai pas assassinés, j'ai pas attaqué dans le dos ni rien. Je fais les choses bien et les gens ils me parlent mal. Je vous jure. Hein. Non. Pas bouger. Vous deux, pas bouger. Voilà. Yuna, les dieux soient loués. Allume la forge, Taka. Et les Mongols, alors ? T'inquiète. Ils ne voudront pas détruire ce lieu. Cela nous donne une chance de tous les tuer. S'ils ne nous tuent pas d'abord, quoi qu'il en mais soit. Mais non. C'est ici que nous nous battrons. Quel pessimiste. Tu m'emmerdes, toi. Des Mongols dans la forge. Il faut les arrêter. Non mais il est pas dans la forge, calmez-vous. C'est bon, il y en a encore qui veulent la brave. Ok. Alors si pourtant encercler c'est 3 pégus, 4 pégus. Attention, danger.
Reviens ici, toi. Vu le coup de katana, le mec il s'est fait transpercer aussi. Mais... Allez, mais vise-la. Voilà, merci. Tranquille. C'est bon là ? Jamais je n'ai vu un samouraï se battre ainsi. Oublions ça. Bah t'as jamais vu un samouraï se battre alors, parce que là je l'ai fait tranquille. Hein. Tu es plus qu'un samouraï. En réalité, c'est un esprit vengeur. Revenu d'entre les morts pour anéantir les Mongols. Mais arrête de raconter des conneries, Yuna. Où allons-nous nous cacher maintenant? Nulle part. Allumez la forge! Et que Komatsu se remette à fabriquer des armes puissantes. C'est ainsi que nous résisterons. Et que nous sauverons le seigneur Shimura. Un esprit vengeur. Je crois que l'idée leur plaît. Voilà, très bien. Sachant que j'ai déjà tout fait sur lui, normalement, on peut carrément directement enchaîner sur le château. On raconte que votre neveu traque mes hommes, qu'il les extermine sauvagement. Je suis sûr que vous avez fait pire. Vous pensez que nous sommes différents, mais nous luttons pour la même chose. Nous voulons que notre héritage nous survive. Le sens de l'honneur et du devoir ont forgé le mien. J'ai amené l'ordre sur mes terres et la justice à mon peuple. Vous n'êtes en rien comme moi. Tout comme votre neveu. Pourtant, son nom est à jamais lié à votre héritage. Un héritage est bien plus qu'un simple nom. C'est vrai. Votre famille vit ici depuis des générations. Le château de vos ancêtres s'élève au nord, il me semble. Je suis impatient de le visiter. Pendant que vous mourrez de faim dans cette geôle, tout seul, sans aucun honneur. Je ne pourrai pas libérer mon oncle. Avant que Taka termine son travail. Je devrais aller voir si Yuna en sait plus. Attends, mais il y a un criquet qui est quoi ? Il est où ? Il est là. Mon frère voulait devenir un samouraï, Seigneur Sakai. Il a construit un support d'entraînement en bambou. Il a passé un hiver entier à s'y exercer. La coupe de bambou est un excellent moyen de s'exercer à l'épée. Je pourrais peut-être m'entraîner avec votre frère. Malheureusement, la fièvre l'a emporté il y a plusieurs années. Chaque fois que je vois le drapeau qui signale un support d'entraînement, je pense à lui. Je penserai à lui désormais. Merci, et prenez soin de vous. Si ce qu'on dit est vrai, lui n'aurait dû survivre sur la plage. Alors... Voilà. Il est quelle heure ? 46. Ça marche, nos signes, des bisous ?
46, je crois qu'on a le temps de libérer Komoda, non? Komoda. Komatsu? Non, c'est quoi? Kaneda. C'est ça, Kaneda. Si les Mongols reviennent, ils trouveront l'an. Tu leur racontes encore des histoires? Je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre. Certains te surnomment le fantôme. Parce que tu leur as mis des idées dans la tête. Tous ces gens restent parce qu'ils croient en toi. Ils devraient croire aux samouraïs. Pour eux, tu es les deux. Quand le seigneur Shimura sera libre, ils n'auront plus besoin de croire à ses contes. Peut-être. Taka travaille dur sur ce que tu lui as demandé. Il ne veut surtout pas te décevoir. Bien, allons voir où il en est. Ça, c'est les bombes. Tu cherchais des guerriers pour t'aider à sauver ton oncle. Tu en as trouvé ? Quelques-uns. Ishikawa-sensei et Dame Masako Adachi sont en vie. Ils mènent leur combat, mais ils ont accepté de venir m'aider le moment venu. Un archer et une noble. Tu es sûr que ça suffira ? J'ai aussi fait appel au chapeau de paille. Leur nouveau chef se trouve être un vieil ami. Bon. Tu as toute l'aide qu'il te faut, on dirait. Eh ouais. Viens-tu à nous ? Je ne sais pas. Quelqu'un peut-il m'aider ? Je m'en occupe. Va voir Taka. On se rejoint plus tard. Monseigneur, je viens de terminer. Merci d'avoir patienté, monseigneur. Et de rien. C'est bien normal. Un crochet en fer, avec une corde attachée à l'extrémité. Ça vous aidera à franchir des murs et à éviter des obstacles. Il supportera mon poids ? Je l'ai testé moi-même. J'appelle ça un Kaginawa. C'est parfait. Je te suis redevable. Non. Je vous l'offre. J'ai ma sœur. J'ai un toit et la vie sauve. Ça me suffit. Merci. Je l'aime bien, Taka. C'est un mec sympa. Où es-tu ? Ryuzo ? Jin ! Jin Sakai ! Ah oui, non, d'abord, il faut libérer les... Calme-toi, poteau, calme-toi. Il faut libérer ces hommes, là, c'est vrai. Les Mongols ont capturé mes meilleurs guerriers. Je comptais sur leur aide pour délivrer le seigneur Shimura. Écoute, Jin, si nous ne faisons rien, mes hommes seront tués. Et ton oncle restera prisonnier des Mongols. Où sont-ils ? En cage, près du fort de Yatate. D'accord, Ryuzo. Trouvons une solution. Tu m'as parlé de cage près du fort de Yatate. Où exactement ? Les cages sont en fait à l'intérieur du fort. Au sommet d'une falaise. Comment allons-nous sortir tes amis de là ? Il me reste quelques hommes en liberté. Ils nous attendent plus loin, à un croisement. Ils ne seront pas de trop. Je te suis. En fait, ne me mettez pas de bridge pour pas me faire repérer, genre de conneries, et le fort, je vous le prends tout seul, hein, moi, y a pas de problème. Comment tes hommes ont été capturés ? Tu te souviens de la carte que tu m'as donnée ? Celle qui indiquait les routes d'approvisionnement mongoles. Il y avait de la nourriture ? Oui. Mais extrêmement bien gardé. Il y avait trop de gardes pour tes meilleurs hommes. Ces fils de chiens étaient trop nombreux. Je me suis échappé de justesse. Et tu es sûr que tes hommes sont vivants ? Je les ai entendus chanter la nuit dernière. Je m'étonne que les Mongols les aient laissés faire. Moi aussi. Vous savez chanter ? Erreur, ma tensei. Ce n'est pas comme si j'avais choisi cette vie. C'était ma seule issue après notre hiver. Au tournoi du seigneur Nagao. On n'en a jamais reparlé. Avant le combat. J'avais invité les commandants de chaque clan à y assister. Mais tu m'as attaqué comme si j'étais ton ennemi. Tu as failli me briser le bras. Je suis navré. C'était mon tout premier tournoi. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Ça se comprend. Tous les samouraïs de l'île, sans exception, voulaient rencontrer le neveu. Je n'avais pas vu les choses ainsi. Et pourtant... Toi, tu es le fils d'un seigneur. Ce tournoi était ma seule chance d'attirer l'attention. D'entrer au service d'un seigneur, de devenir un samouraï. Tu aurais dû m'en parler. Je t'aurais pris à mon service. Parce que personne d'autre ne voulait de moi. Pas question. Je devais faire mes preuves. Tu aurais dû m'en parler avant. J'aurais peut-être dû.
Komatsu, quelqu'un t'a appelé, le fantôme. Seigneur Sakai ne te suffisait plus. Qu'y a-t-il ? Tu crains que ma renommée surpasse la tienne ? T'as déjà fait ça. Il y a 4 Pekno. Très bien. Où sont Hiro et Shinzo ? Ils sont partis. On devait être 6 ? Bon, c'est sûr, c'est mieux. Les lâches ! Ils osent fuir, après tout ce que j'ai fait pour leur survie. Nous sommes assez nombreux pour sauver tes hommes. Crois-moi, j'ai connu pire. J'ai perdu des hommes à cause des Mongols, de la maladie, de la faim. Mais ça, jamais. Ils étaient faibles. Ce n'est pas ta faute. Il y en a d'autres qui souhaitent partir. Du calme. La nuit va tomber. On va partir pour le fort de Yatate. Nous trouverons comment libérer tes hommes en chemin. Ya ! Chapeau de paille ! Vous allez où ? C'est par là. Les chevaux ont quand même une anime un peu chelou, hein, il faut l'avouer. Fort de Yatate. C'est là que ces chiens détiennent les hommes. Comment comptes-tu t'y prendre ? Moi ? C'est toi qui nous a conduits sur ce bateau mongol. Non, c'est pas flagrant, c'est quand tu te mets sur le côté comme ça, tu vois que c'est chelou, après quand t'es de j'ai dos. J'ai besoin d'entrer sans être repéré. Les Mongols ne surveilleront pas les falaises derrière le fort. Je vais grimper par-dessus le mur. Comment ? C'est moins flagrant que sur Assassin's Creed Odyssey, où pour le coup c'était fracassé. J'ai quelque chose pour m'aider. Je vais libérer tes hommes. Quand je serai avec eux, je déclencherai des alarmes pour te dire de venir. Et d'écraser les Mongols au passage. Tu vois ? Tu avais bien un plan. Je vais escalader la falaise de ce côté. Restez cachés et attendez mon signal. Bonne chance. Ne tombe pas. T'as pris pour qui ? Oh non, je voulais sauter depuis le cheval, ça aurait été classe. Bah on sait jamais hein. Vous pouvez se faire. Moi je tente des trucs, je veux que ce soit artistique et tout, mais le jeu il m'en empêche. Je me sens brimé. C'est pas grave. C'est fou quand même ce qu'un crochet en métal et une corde peut faire. Hein. Taka, je te remercie. Trouvons les hommes de Ryuzo. Fermés aux quatre coins du fort. Ah oui, il y en a là-bas. Ouais, c'est ça, c'est aussi assez fou à ce niveau-là.
Negium Harsinta, hâtez-vous! Allez, viens! Aïe, je suis trop con. Quoique. J'adore. J'adore cette scène. Il est où le gros dégueu? Avec sa hache là. Ouh, de l'acier là-bas. C'est bien ça. Merci les gars. Content de vous voir en vie. Je vais déjà mieux. Oi, Udo Kikta Harta, Kime. Aïe, ah, y'a pas de l'acier encore quelque part, s'il vous plaît? J'ai un katana amélioré, moi. Salut! Ça c'est fait! Tac. Tac. Oh merde! Aïe! Non, lâche-moi! Merci. Merci, Batten, c'est bien. Attends, mais du coup. Un peu de prédateur. Bon bout des provisions. Ah oh non! Je m'y attendais pas, l'ours. Et ils sont où les derniers, du coup? Il y avait quoi, là? Mais poussez-vous du milieu, enfin! Ah, là-bas. Aïe, mais putain. J'y vois rien. J'y vois rien. Il faut pas qu'il nous voit, non mais il y a plus personne dans le camp en fait les gars, je vous explique. Allez, viens, avec ton petit couteau là. Qui qu'en veut, qui qu'en veut, qui qu'en veut.
Ah, viens là, toi. Eh putain, je pensais que j'étais plus rapide que ça. Voilà, m'a gavé. Ouais, je sais, mais bon. J'ai pas le réflexe. Eh oui, c'est ça. Au revoir, Aryuzo ! Je savais que vous pouviez compter sur toi. J'avais dû faire ce bruit. Ah ! On a parié sur le temps que vous maîtrisiez. Je suis là pour jouer le samouraï et me battre avec katana. Je suis pas là pour faire peur ou assassiner des gens, tu vois. Tu ne vas jamais me croire. C'est complètement insensé. Que veux-tu dire ? Il paraît que les Mongols n'ont pas maltraité mes hommes. Ils leur ont donné à manger. Et des bonnes choses. Je comprends pourquoi ils chantaient hier soir. L'essentiel est qu'ils soient sains et saufs. Pourquoi diable les Mongols les auraient-ils nourris ? Ils voulaient peut-être quelque chose en échange. Merci, Jin. Mes hommes sont tout pour moi. Ryuzo. Allez, tous à cheval. Nous partons. Je dois rejoindre Yuna à Komatsu. Alors, on va faire une petite épée gentille à Komatsu. Voilà. Tac. Voilà. Et non, mets-moi du soleil. Voilà. Et mes chers amis, je vais vous abandonner ici. Il n'y aura pas d'autres streams dans la journée. Ou alors peut-être ce soir. Peut-être ce soir, mais c'est pas sûr. Parce que je sais pas encore ce que je fais, où je vais et machin. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je vous fais des petits teases pour vous faire deviner les prochains jeux que je vais faire. Et je vous annonce les lives. Comme si ce matin, par exemple. N'hésitez pas non plus à rejoindre ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les VOD, dont celle-ci. Voilà, hein, si vous voulez voir d'autres jeux que j'ai fait ou un truc comme ça. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord. Sur Discord, on est trois petits streamers, chacun avec une spécialité. Noistine, par exemple, elle est plus jeu de gestion, jeu rétro. En ce moment, elle est sur Red Dead. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs cet après-midi, entre 14h et 14h30, elle va commencer son stream. On a aussi Cardsnake qui d'habitude fait les Souls, les jeux d'horreur et trucs comme ça, mais en ce moment il est en vacances. Il va revenir normalement début septembre, il sera là. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et bien évidemment n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à la team, ça fera plaisir et peut-être que leur contenu vous plaira plus que le mien. On sait jamais, hein, c'est possible, mais surtout voilà, n'hésitez pas, vous êtes là pour le plaisir et pour kiffer, c'est normal. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi le stream. Ça fait plaisir, on a été plus que 3. Ça change un petit peu. Donc merci d'avoir suivi le stream. N'hésitez pas du coup à rejoindre le Twitter, YouTube, le Discord et aller faire un petit coucou copain. Moi je vous abandonne. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Enfin une bonne fin d'après-midi, non, hein, une bonne après-midi. J'ai l'habitude de streamer en après-midi ou en soirée, pas le matin. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à la prochaine les copains. Hein, allez, ciao ciao.